Et bien bonjour à tous les amis, c'est JX. Aujourd'hui on se trouve pour une vidéo dans laquelle on va unbox un super projecteur de la marque Yabber. Mais juste avant, j'ai eu beaucoup de problèmes pour commencer cette vidéo. Par exemple ce magnifique micro en fait, qui est tout simplement mes écouteurs Apple. Je les ai oubliés chez moi, j'habite à 35 minutes. 35 minutes aller, 35 minutes retour. J'ai vu mieux comme efficacité pour faire une vidéo. Alors ce projecteur m'a été envoyé par la marque Yabber. Il coûte actuellement sur Amazon 200€ au lieu de 289€ je crois précisément. Il est en réduction et je pense que ça va être vraiment le feu, parce que rappelez-vous ce que j'ai fait cet été avec un projecteur. J'ai fait simplement une salle dans laquelle j'ai invité mes potes et qu'on pouvait projeter des films. Voilà, dans une grange, tout simplement. Alors là, il est du coup conforme, il fait du 1080p, je sais pas si l'autre faisait du 1080p, mais je pense que là, du coup, on va avoir une petite différence, étant donné que là, c'est vraiment pour envoyer des sales images. Et voilà, on va voir ce que ça donne tout simplement. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner si ce genre de vidéo vous plaît. Et là, déjà, on commence fort, parce que dès qu'on ouvre comme ça, on a tout simplement une housse. Donc voilà, ça vous montre en fait qu'on se fout pas de votre gueule quand on achète là-bas. Et on a directement la housse avec tout à l'intérieur. Alors oui, la table n'est pas non plus stable. On dirait que c'est ma première vidéo sur YouTube. Alors, une jolie housse par la marque Yabber, du coup, encore une fois. Je suis vraiment content pour l'instant. C'est quelque chose qu'on peut transporter très facilement. Et du coup, on va l'ouvrir. Parce que c'est vrai que ce genre de choses, quand on transporte, c'est pas non plus souvent très pratique. On enlève les scratchs. Les différents câbles avec la télécommande. Alors ça, c'est important, la télécommande, les gars. Et pour avoir déjà testé... les télécommandes comme ça ne fonctionnent pas sur les projecteurs des écoles, malheureusement. J'ai déjà testé avec ceux d'une autre marque que j'ai déjà présenté sur ma chaîne. Donc ça va, je pensais un peu plus lourd que ça, ça va pour l'instant. Voici la taille qu'il a et je ne sais pas trop comment on l'utilise concrètement. Donc on va essayer de voir tout ça. Ça c'est quoi en fait, j'arrive pas à comprendre. Bah écoutez, on va... Et du coup il est surélevé avec ça, c'est plutôt pas mal. Écoutez, je vais faire une petite cinématique puis après on va le tester simplement sur mon mur pour voir s'il fonctionne bien. On se retrouve donc pour la cinématique commentée, je préfère faire ça maintenant, je pense que c'est mieux pour détailler un produit. Donc on commence avec la télécommande que j'ai reçue, il manque juste les piles, mais voilà, classique. On a ensuite tous les câbles nécessaires à faire fonctionner l'appareil. On a également un petit kit de nettoyage que je n'avais pas présenté. Voici le projecteur, comment il donne, je trouve très très beau, avec des rebords brillants. Je vais utiliser ces boutons durant la vidéo parce que je n'ai pas de pile. Voici la housse d'un petit peu plus près, je la trouve très belle et très transportable, je pense que c'est vraiment un point positif. Et bien heureux les amis, donc j'ai mis en place le projecteur qui est juste ici. J'ai fait quelques pré-réglages et vous allez voir un petit peu ce que ça donne, mais franchement les gars, je suis vraiment impressionné par la qualité qu'il envoie, donc c'est-à-dire du 1080p. Je vois clairement une différence entre ceux qu'il y avait dans ma grange et les images que je projette maintenant avec celui-ci. Alors avec un projecteur comme ça, on revient vraiment aux sources, c'est vraiment un projecteur fait pour de la qualité et non pour être assez pratique, parce que l'ancien que j'avais, du coup, il était plus cubique. Lui, il est vraiment là pour envoyer des bonnes images et c'est ce qu'on va voir les amis. Et j'ai vu quelques petits trucs, des avantages et des petits inconvénients. Donc voilà, je vais tout vous dire. On va fermer le store juste ici. Et donc c'est parti pour allumer le projecteur et vous allez voir quelque chose. Alors déjà le premier problème qu'on voit en fait, c'est tout simplement le bruit en fait. On peut l'entendre, il y a pas mal de bruit malheureusement, mais je pense que c'est le compromis à faire si on veut de la qualité. Et vous allez voir que franchement ça envoie énormément. Alors voilà l'écran. Alors sachez qu'il y a cette lumière là et des lumières en bas, ce qui peut légèrement fausser un petit peu la qualité générale projetée. Alors malheureusement je n'ai pas de pile, mais on va faire le réglage et vous allez voir qu'on peut corriger tout simplement quelque chose qui est pas mal, c'est à dire que ce sont les coins, on peut modifier ça, voilà, je pense que c'est ça, ouais, ok, et on peut clairement, ah voilà, ça c'est, ça fait vraiment plaisir parce que c'est très pratique ça, c'est très pratique. Il y a beaucoup de paramètres qu'on peut faire, projection mode, donc je pense que ça signifie, est-ce que vous voulez une projection en mode cinéma ou quelque chose comme ça. Je pense que c'est ça. Ok, bah c'est lié du coup avec les bureaux. Bon, d'accord. Eh bien, écoutez. Ok. On a les mises à jour, je pense, ici. D'autres... Ah, non. Voilà, langage, date, Wi-Fi setting, Bluetooth. On est vraiment pas mal. Et alors, du coup, comment je m'y suis pris pour projeter tout simplement des images sur ce projecteur? Alors, tout simplement, j'ai utilisé mon téléphone. Là, il est en train d'enregistrer ma voix, mais on peut faire recopie d'écran, je crois. Si vous avez des iPhones, vous comprenez ce que c'est. Et il y a aussi, du coup, quelque chose pour les Android. Donc, on est vraiment servi. On va essayer de projeter des choses sur mon écran. Ok, donc j'ai projeté une vidéo. Et on peut voir que la qualité est vraiment pas mal.
Voilà, une petite vidéo de moto les gars, comme j'aime bien faire. Bah là en l'occurrence je préfère plus les daily routines en moto. Mais voilà, du coup on a vraiment quelque chose de vraiment très quali. Et on va éteindre ça pour avoir meilleur. Ok, donc là on est vraiment sur une très bonne qualité les amis, comme vous pouvez le voir. Il n'y a pas encore tout déteint, il y a ça qui traverse là-bas, ça, ça. Mais vous pouvez voir déjà que bah, c'est très 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 raisonnable. Et je pense que si on veut regarder un film, c'est top tout simplement. Et voilà, franchement ça peut faire des super soirées les amis. Malheureusement je ne peux pas enregistrer ma voix et également projeter des vidéos. Donc pour le coup on aura juste un aperçu vidéo sans un bon micro actuellement. Mais voilà ce que ça donne, je suis vraiment impressionné par la qualité. Les possibilités sont nombreuses les amis. On a des petites villes d'Italie, très très belles, très très vertes. C'est très beau. Voilà, alors là juste imaginez un reportage de là-bas ou je sais pas quoi. Mafia ou drogue ou voiture ou vitesse, n'importe quoi. Et voilà tout simplement, ça peut être vraiment très énervé pour une petite soirée. Alors maintenant je vais vous faire quelques plans, puis on va faire un petit débrief de combien je note sur 10. Je suis désolé si la voix n'est pas encore bonne. Je vais faire quelques plans avec les images et on va voir ce que ça donne tout simplement. Donc à tout de suite. Et bien les amis, on se retrouve pour la conclusion de cet unboxing. Et bah franchement je suis épaté parce que la qualité est vraiment au rendez-vous. On a vraiment du 1080p et là c'est vraiment axé qualité et pas niveau pratique. Donc ce qui nous donne des belles images. Et comme vous avez vu, les couleurs sont très belles malgré qu'il y ait quelques lumières, ou du moins qu'il y avait quelques lumières d'allumées. Ça restait quand même bah franchement qualitatif. J'ai vraiment hâte de l'utiliser entre potes pour pouvoir projeter des vidéos. Et bah je pense que c'est réussi en fait tout simplement cet unboxing les gars. Après évidemment c'est un projecteur, il fait un peu de bruit. Ça franchement je peux pas le nier, il fait pas mal de bruit. Mais comme j'ai déjà dit en vidéo, je pense que c'est le compromis à avoir pour voir des bonnes images avec un projecteur. Donc en tout cas je remercie beaucoup la marque Jabber qui m'a envoyé ce projecteur à actuellement 200€ sur Amazon. N'hésitez pas à aller voir tous les liens en description et profiter de la réduction avant qu'il augmente et qu'il passe à presque 300€. Donc si vous voulez un projecteur les gars, eh bien, je pense que c'est le moment. Voilà, en tout cas nous on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était GX.